Yo les potos, ici Légumène, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top de la communauté et je vais vous proposer pas mal de petits clips sur des Battlefield différents et des clips plutôt fun, plutôt beaux jeux. Voilà, je vous ai demandé de m'envoyer un petit peu tout ce que vous aviez sous la main pour voir, voilà, tout simplement avoir matière à faire une vidéo. Alors clairement j'ai reçu plein de clips pour la semaine prochaine, ça va être le même principe, d'accord? Il n'y aura pas de thème, il n'y aura pas de Battlefield demandé, voilà, donc si vous avez des vidéos, peu importe le BF, peu importe le style, n'hésitez pas à me les envoyer du coup sur legumene.clip@gmail.com, évidemment l'adresse mail est en description de cette vidéo. Et par contre je vous demanderai s'il vous plaît de m'envoyer 3 clips maximum par personne, d'accord? Parce que j'ai eu littéralement des gens qui m'ont envoyé plein de vidéos. Alors je ne dis rien, c'est clairement ma faute, je vous ai demandé de m'envoyer tout ce que vous aviez. Donc je ne peux pas vous blâmer. Mais c'est vrai que pour le coup ça m'a fait beaucoup de boulot à trier. Et je m'en suis pas forcément rendu compte en me disant vas-y go, envoyez-moi tout ce que vous avez. Là j'avais clairement matière à faire une vidéo de 15 minutes, il n'y avait aucun souci. Mais bon je vais me limiter un petit peu pour tout simplement que la vidéo soit pas trop longue à regarder. Donc en attendant voilà, si vous voulez m'envoyer vos clips, n'hésitez pas à les envoyer sur legumene.clip@gmail.com sous forme de lien YouTube en non répertorié pour que je puisse tout simplement upload la vidéo et ensuite la passer dans le top de la communauté. Donc en attendant, la semaine dernière c'était des clips axés teamplay et comme vous pouvez le voir c'est Spicy Bob, du coup que moi c'est mon clip que j'ai préféré. Dans les commentaires c'était kiff kiff, il y avait un petit peu de Spicy Bob, un petit peu de Extreme, d'ailleurs qu'on va tous les deux les retrouver cette semaine dans cette vidéo. En tout cas merci à tous d'avoir participé bien évidemment. Et allez c'est parti, on commence tout de suite avec Asvolk qui joue à Battlefield 5 et Asvolk qui va nous faire quelque chose que j'ai toujours kiffé regarder, toujours kiffé faire. Alors moi je ne pouvais pas le faire parce que je ne jouais pas cette classe là du moins pour tout simplement réparer les véhicules. Mais du coup là il va littéralement aller se suicider contre un tigre. Donc ballsy hein, le gars complètement. Donc ça c'est plutôt le beau jeu, c'est le suicide, mais c'est le suicide utile. GG à toi Asvolk pour ce petit clip. Ensuite on le retrouve sur Battlefield 2042. Et bon bah voilà, hein, là c'est tout simplement assez drôle à voir. Il se fait littéralement arracher par plein de gens. Ça n'arrive pas à l'avoir. Et franchement... c'est bête, mais ce clip m'a quand même plutôt fait rire. Et on revient sur Battlefield 5 avec Zach33FF7 qui va tout simplement mettre une tête à un type à assez longue range, mine de rien. Et moi, ce qui m'a surtout fait rire, c'est sa réaction. Vous voyez, il bouge plus. Il est genre étonné de ce qu'il a fait. Et ça, j'aime bien, vous voyez, ça c'est du spontané, ça je trouve ça plutôt pas mal. Et derrière, il va remettre une au pote qui est à côté. Et même principe, il remet une tête, donc plutôt GG. Ça fait toujours plaisir, des petites têtes comme ça. Ensuite, on arrive sur Battlefield 4 avec Drac. Qui là bah, c'est tout simplement un autre gameplay hein. Vous allez le voir, il enchaîne littéralement des headshots avec son SRR 61. Regardez-moi cette petite boum dans la toute petite fente. Et alors on pourrait se dire ouais ok bon ça va mais... et c'est pas fini ça, regardez bien, il va littéralement aller shooter le mec qui est en bas et le pilote alors qu'il a un angle vraiment de merde pour l'avoir. Mais il lui met, GG à toi Drac. Ensuite clip sur Battlefield 5 avec AmBZX. Alors AmBZX, n'hésitez pas messieurs dames à me dire si vous voulez que je le banne pour le prochain top de la communauté parce qu'il est partout cet homme, il est un peu chiant d'accord. Mais en attendant il m'envoie des clips, ils sont muy caliente. Donc MBZX va nous enchaîner 10 kills en headshot au sniper et franchement c'est très très beau parce que c'est deux chargeurs complets sans louper une balle. Et ça franchement c'est gros respect. Regardez-moi ça, les têtes elles fusent, il découpe tout ce qui dépasse, c'est incroyable. Déjà ne serait-ce que enchaîner un chargeur complet c'est déjà balèze, mais là lui il en fait deux à la suite. Gros GG BZX. Ensuite on revient sur toujours la même personne. C'est pour ça que je vous ai dit les gars, si vous voulez qu'on le banne, on le banne pour la prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. Allez du coup encore un BZX qui va nous prendre son katana. Et alors le katana, bon je sais pas pour vous mais moi c'était littéralement un cure-dent, un couteau à beurre si vous voulez. Et là bah on n'a pas tous le même katana quoi. Regardez bien, il va enchaîner les kills, enfin je dis ça mais il galère un petit peu quand même. On sent que le FOV là ça fait un petit peu de mal là, je suis pas sûr que vous pouviez régler le FOV sur console avant. Bref, maintenant l'éclipse, vous allez voir, il est insane, il enchaîne je ne sais combien de kills avec son katana. Les ennemis sont perdus, ils tournent en rond, ils savent pas où regarder. Il est littéralement partout mais nulle part à la fois. Voilà, il tue les gens qui restent, bref, il se balade, regardez. Il y va, il découpe tout le monde, il se pose même pas de questions. C'est une sorte de fantôme, il passe, c'est un ninja. C'est un ninja le gars. Et franchement... c'est plutôt stylé et ça c'est vraiment quelque chose je trouve qui manque sur Battlefield 2042, bah, c'est ce côté un petit peu qui sort de l'ordinaire quoi. Il y a un katana, on n'a jamais eu ça dans aucun Battlefield. Et dans Battlefield 5 c'était vraiment une arme qui était plutôt groovy, il y en avait une seule sur la map et puis c'était fini quoi tu vois. Et franchement ça valait plutôt le coup. En tout cas gros clip de BZX une fois de plus. Allez voilà comme vous pouvez le voir, regardez, il s'arrête plus, c'est terrible. En tout cas gros GG à toi parce que je crois que j'ai jamais tout simplement rentré une kill feed aussi énorme sur Battlefield 5 au katana.
On reste sur Battlefield 5 avec Fiston 68. Fiston 68, alors c'est pas un clip de killfeed de fou ou autre, tout ce que vous voulez, mais c'est un clip qui m'a quand même fait kiffer parce que ça montre la beauté de Battlefield 5. Vous allez voir, il est sur une DCA tout simplement. En fait, il va shooter un bombardier, un premier, donc voilà, il commence à le trigger, donc du coup le bombardier fait demi-tour. Et en fait, à un moment, il va le shooter, donc il en shoot un et il va en shooter un deuxième. Et en fait, on pourrait dire que c'est un film. Vous voyez, on enlève la TH, c'est magnifique, je trouve, c'est beau, c'est un film. Pour le deuxième avion, il y a une physique qui est un peu plus éclatée, mais bon, on connaît la physique de Battlefield. Mais voilà, mais ça fait quand même deux avions enchaînés, boum, avec des explosions, bam, qui viennent se crash devant lui et tout, et j'ai trouvé ça plutôt stylé en vrai. Ensuite, Battlefield 5 encore, avec Roi de Cœur qui nous enchaîne des headshots sur des mecs cachés dans un bunker, au sniper. Alors ouais, il y a beaucoup de clips au sniper, beaucoup de clips de BF5. J'avoue que quand j'ai regardé vos clips, les gars, j'ai été vraiment nostalgique. Ça m'a vraiment fait plaisir de revoir un petit peu de ça. Roi de Cœur qui enchaîne littéralement beaucoup de têtes sur des toutes petites têtes, parce que littéralement, dans le bunker, c'est compliqué d'avoir les types. On se retrouve avec Dexter BF qui nous claque 17 kills, si je dis pas de bêtises, à la PP29 sur de la rue XL. Mais ce qui est encore plus beau, c'est qu'il est en face à face avec les gens. Et c'est là qu'on se rend compte de la beauté du clip, c'est qu'en fait c'est pas un flingue, c'est pas un bac. Littéralement, il se déplace bien, il prend les bonnes lignes, l'aim est bon, les déplacements sont bons, les pics sont bons, bref, tout est bon. Certains d'entre vous vont se demander c'est quoi cette résolution. Simplement une résolution perso, c'est du étiré entre guillemets, c'est du 1680 peut-être par 1050, je sais pas trop. Si tu passes dans les commentaires, n'hésite pas à le dire. Grosso modo, c'est pour que les ennemis soient plus empâtés, mais plus larges, ça permet de mieux aim les gens. Maintenant, on retrouve M-Fixer qui est encore avec son hélicoptère. Hein, ce mec joue qu'en hélicoptère, il est insupportable. Évidemment, je déconne. Ce qui est beau, c'est qu'il est en 1v1 alors qu'il est en hélicoptère et que le type est dans un bâtiment. Et il se permet littéralement de rentrer dans le bâtiment, d'éclater un petit peu le bâtiment, de rentrer dedans pour aller chercher le kill. C'est plutôt drôle. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. On va retrouver Xtreme sur Battlefield 2042, Xtreme qui est passé dans la vidéo précédente. Et là, c'est pas du tout pour faire du beau jeu pour le coup, mais là, c'est en fait, j'imagine qu'il joue en Hazard Zone, il se fait tuer par des bots et en fait, il se fait teabag par un bot. Franchement, j'ai vu ça, ça m'a fait rire vraiment. Genre, se fait teabag par un bot, je veux dire, le manque de respect, il est juste énorme. L'avant-dernier clip de ce top, c'est Phenomen Killer qui joue à Battlefield 5. Il est à la MG42. Alors, on pourrait se dire, ouais, MG42, c'est un campeur, blablabli, blablabla, c'est quelqu'un qui va camper. Et bien, très honnêtement, il joue sa MG42 comme j'adore que les gens la jouent. Regardez bien ses déplacements. Bref, il la joue bien. En fait, je pense qu'il n'y a rien à dire. Très honnêtement, autant des fois on pourrait dire ouais t'aurais pu faire ça ou autre. Là, il ajoute très bien, il prend une ligne, il découpe des gens, il se déplace sur la droite, sur la gauche, peu importe. Il reprend une ligne un petit peu cassée sur le côté, il retue des gens, ensuite il se redéplace. Vous voyez, hop là il se place, il attend, il se pose, il voit qu'il n'y a personne, il bouge, il regarde, il n'y a personne, il bouge. Hop, il y a un mec qui est caché là, boum, on l'unscope évidemment. Parce que bon, c'est vrai que la MG42, bon, c'était pas trop ça sur Battlefield 5 hein, quand vous étiez debout. Mais voilà, regardez, clairement il arrive, bam, il découpe tout le monde, et ça j'adore ce genre de clip, je trouve ça vraiment, vraiment insane pour le coup. Et pour finir, on se retrouve avec Spicy Bob, qui évidemment était lui aussi dans une des vidéos précédentes, et il va tout simplement nous faire une collate à une distance phénoménale sur un hélicoptère en mouvement. Et donc, comme c'est pas assez, il refait un kill sur l'hélicoptère, qui est toujours en mouvement. Bref, c'est plutôt incroyable. En tout cas, merci à tous pour vos clips. Moi en tout cas, ça m'a fait vraiment kiffer de revoir des clips sur Battlefield 5, sur Battlefield 4. Il y a vraiment des clips qui étaient vraiment insane, je les ai pas tous passés évidemment, sinon la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Mais voilà, si vous avez vu que vos clips ne sont pas passés, bah, n'hésitez pas à les renvoyer pour la semaine prochaine, d'accord. Faut savoir que je cancelle tous les clips, parce que sinon c'est un bordel sans nom pour que je trie tout et que je range tout, d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à me les renvoyer, à me remettre un petit commentaire en mettant votre pseudo pour que je l'affiche tout simplement à l'écran, et puis une brève description pour que je sache un petit peu à quoi m'en tenir. Voilà messieurs, en tout cas j'espère que ça vous a plu évidemment. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et à m'envoyer tout simplement vos clips pour pourquoi pas vous-même passer dans le prochain top de la communauté. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.